بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. دونك كومونس. Alors, la dernière fois, on a travaillé sur des bases de données. On a déjà fait l'introduction. On a les bases de données sont des éléments qui permettent de stocker une quantité énorme d'informations et de pouvoir la gérer par la suite. Soit lire les données, soit les imprimer, soit les modifier. Donc on appelle ce genre d'application les SGBD. Donc les SGBD, les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Donc il existe plusieurs types, donc comme Oracle, MySQL, Access, SQLite, Firebase. Donc il y a plusieurs types de SGBD. Et ça dépend de la plateforme que vous allez utiliser, et ça dépend aussi du type d'utilisation que vous allez faire. La spécificité de Access, c'est que il va vous permettre aussi de donner une apparence visuelle à votre base de données. C'est-à-dire, vous pouvez créer des applications en utilisant le SGBD Access. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer, par exemple, une application qui permet de gérer les projets. Par exemple, un portfolio. Là, je peux voir les projets, par exemple, des exemples comme ça, hein. D'accord, avec des détails, etc. Je peux aussi basculer vers des galeries pour chaque projet, pour voir le contenu. D'accord, je peux ajouter un nouveau projet, je peux sauvegarder, etc. Alors, pour pouvoir en arriver là, on doit tout d'abord créer une structure de base, ça veut dire créer une table en moins, et par la suite lui donner une interface graphique qui peut être manipulée par un simple utilisateur. Et attention, donc tout ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écran, mais tout ce que vous voyez là, en fait, c'est zéro code, c'est-à-dire il y a zéro programmation, il n'y a aucun code de programmation. Tout a été fait avec les simples outils, les outils de base de Microsoft Access. D'accord? Donc, je vais commencer par créer une nouvelle base de données. D'accord? Donc, la base de données que je vais faire, peut-être je vais la nommer Portfolio. Portfolio veut dire tout simplement la bibliothèque de vos projets. C'est-à-dire les projets que vous allez faire ou vous faites, vous pouvez les enregistrer dans un site web ou dans une base de données. Okay. Alors là, je vais m'en assurer que, voilà. Alors là, je vais créer la première table. D'accord? Cette table-là, je vais mettre dedans un certain nombre d'enregistrements. Par exemple, pour un projet informatique, peut-être, on va lui donner un identifiant. Donc je peux par exemple donner le numéro de projet. Alors, dans la deuxième colonne, peut-être je vais faire le nom du projet, texte. Donc le nom projet. Et on peut créer par exemple, d'autres types. Par exemple, une description. Une description courte du projet. D'accord? S'il vous plaît, parce qu'on ne sait pas qu'il est terminé. Alors, description du projet. Ensuite, je vais utiliser, je vais mettre le nom du responsable du projet. Peut-être c'est un projet qui a été fait par plusieurs personnes. Responsable projet. Chaque projet, il a une date de début. Date de début, c'est important. Donc, est-ce qu'on a commencé le projet, date de fin. Date de fin, le projet informatique. Et pour chaque projet, on doit faire un budget. Donc, le budget, c'est monétaire. Donc, le budget, combien ça va coûter le projet. Et surtout, ça peut être un budget estimatif.
Et normalement, il faut faire aussi la durée en jours, la durée des projets. Les projets, attention, on les calcule en jours. On peut ajouter aussi le type de projet. Donc le type de projet. Donc là, je vais faire un champ spécial. Je vais faire une liste de choix. Peut-être les projets informatiques que vous allez faire. Donc ça va être des applications, des stocks, des applications client serveur, applications mobiles, des sites web, des plugins, des templates, tout ça. Donc juste après les valeurs souhaitées. Alors là, je peux saisir, par exemple, application. Tout simplement, je vais faire desktop. Mobile. Je vais faire web. Alors, je crée ce champ-là. Donc, la table que j'ai créée s'appelle projet. Alors, le champ que j'ai fait, c'est le type. Voilà, après l'équipe, j'ai mentionné. Alors, et la galerie d'images. Donc, par exemple, ici, on va faire des captures d'écran, peut-être des vidéos pour le projet. Donc, ça va être une pièce jointe. En pièce jointe. Okay. Donc, ce que j'ai fait là, c'est la table qui va stocker les informations de mon application. D'accord? La table, j'ai nommé projet. Donc, pour tester les enregistrements, je vais faire une saisie, un test. Attention, pour la première colonne, c'est une colonne que je vais la supprimer. D'accord? Donc, je vais la supprimer, donc je vais voir. Parce qu'elle ne va servir à rien. Alors, s'il vous donne ce message, c'est-à-dire vous dit que cette table, cette colonne, c'est une colonne clé primaire. Alors, vous ne pouvez pas la supprimer de cette façon, en mode feuille de données, donc vous devez passer par le mode création. Alors, pour passer par le mode création, on doit normalement, soit à partir de l'accueil, sélectionner le mode création, comme ça, et on voit que la table est ouverte maintenant en mode création. Je vois ici, mode création. Donc, je peux supprimer là, cette colonne. Ce champ-là, on peut le supprimer. Voilà. Et à la place, je vais, par exemple, le numéro de projet, ça va être la clé primaire. Ça va être la clé primaire. Rappelez-vous, la clé primaire, c'est l'identifiant unique d'un enregistrement. C'est-à-dire, on peut trouver des projets qui ont le même nom, mais impossible que se trouve des projets qui ont le même numéro. Alors, pour savoir de manière unique un projet, vous pouvez lui appliquer une clé primaire. Comme ça, impossible que l'information se répète dans la colonne numéro de projet. On va faire un test. Donc, le projet numéro 1, peut-être je vais faire gestion stock. Donc, description, application, desktop, de gestion de stock. Responsable, moi, date du début, date de fin, par exemple, je vais mettre un budget, n'importe, la durée en nombre de jours, on va le faire en 24 jours. Le type de l'application, c'est desktop. Est-ce qu'il y a des pièces jointes? Je vais essayer d'insérer des pièces ici, dans l'objectif de fois. Je vais ajouter des images. Je vais faire un type, par exemple, donc je fais une autre ligne, par exemple là je vais faire un jeu par exemple Star Wars, d'accord, donc jeu Android sur le mobile. Et alors, date de début, ici, date de fin, un peu plus tard, avec un budget, une durée
par exemple 45 jours. Et là, je vais faire ma vie avec une question. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, ma table, elle est prête. Je l'enregistre. Alors, je peux lui donner une interface graphique. Normalement, si on garde la table comme ça, bon, c'est presque comme Excel, hein. Alors, l'idéal serait de lui donner une interface graphique. Alors, plus tard, dans la séance prochaine, on va ajouter les tables responsables, les ressources du projet et tâches du projet. Quand on va améliorer cette application pour qu'elle devienne plus améliorée, plus complète. Alors maintenant, je vais ajouter un nouveau formulaire. Donc, je vais créer. Donc, la table, elle est prête. Donc, je n'ai pas besoin de requête maintenant. Je vais passer faire un formulaire. Alors, soit vous prenez un formulaire vierge, un formulaire vide, soit vous prenez un assistant de formulaire. Donc, un formulaire assisté, c'est un formulaire qui va vous permettre de rapidement avoir une interface graphique. On va faire un test. Par exemple, je clique sur la table projet et je clique sur formulaire. Alors, comme ça, il va rapidement me créer une interface graphique pour gérer le projet. Donc, vous voyez là, les champs que j'ai indiqués, ils sont ici. Je peux bien sûr basculer vers l'affichage normal. Voilà, premier projet, le deuxième projet. Et, on peut garder ça de cette manière et on peut l'améliorer comme on peut créer un projet vide. Par exemple, si je ferme ça, je peux aussi créer un formulaire vide. Voilà. Et création de formulaire. Alors, voyez là. Pas de la même façon que l'assistant formulaire. Alors, on peut créer un formulaire en mode assisté, comme on peut créer un formulaire en mode page blanche. Comme ce qu'on a une page blanche et on peut insérer nos objets. Alors, on doit retrouver les champs qu'on a insérés dans la table. Rappelons-le, dans la table projet, il y avait un certain nombre de champs. D'accord? Donc, au total, 3, 6, 9, 10 champs. Alors, normalement, si on choisit de faire ça en mode création, on doit insérer 6 champs manuellement. Alors, dans ce cas-là, vous devez passer par le mode création. Donc, faites attention avec les trois commandes. Alors, on peut ajouter des champs, remarquez, champs, ajouter des champs existants. Alors, vous pouvez là choisir depuis la table projet à insérer ces champs-là manuellement. C'est très facile. Alors, il suffit de glisser champ, numéro, nom de projet. Ah, et on peut bien sûr les ajuster de notre façon, chacun comment il voit l'application qu'il va développer, l'application pour gérer les projets. Le responsable du projet, etc. Donc il suffit de glisser, peut-être je vais insérer les dates début, date fin, peut-être ici, quelques points. Je vais essayer de les aligner. Alors, question d'alignement, vous voyez la grille. La grille, les traits qui sont ici, c'est pour vous permettre d'aligner les objets. Donc, le budget du projet, la durée. Alors, avec le mode création, vous êtes libre de placer comme vous voulez, bien sûr, vos champs. Alors là, c'est le champ média, le champ les suivantes. On peut bien sûr, agrandir ce champ-là pour qu'il tient. Alors, remarquez, lorsque vous déplacez le champ, il y a l'étiquette du champ. Ça, c'est l'étiquette du champ qui se déplace automatiquement avec le champ. Okay. Alors, vous pouvez le choisir de manière autonome à partir du coin qui est dans. Alors, lorsque vous déplacez le champ, automatiquement, l'étiquette, elle suit. Vous devez plus ou moins développer la largeur de notre champ. Voilà. Donc, je vais ajouter un titre parce que si vous cliquez sur le démarrage normal du formulaire, d'accord, il aura cette apparence. Voyez.
Alors, je peux passer au deuxième enregistrement. Et... Alors, l'idée serait de passer un titre pour l'application, pour que les utilisateurs puissent voir de quoi il s'agit. Alors, je reviens en mode de création. Je place ici un titre. Alors, il faut chercher dans le menu création, il faut chercher le contrôle qui s'appelle étiquette. Voilà, ce contrôle-là. Il faut l'insérer. Là, je vais faire par exemple mes projets informatiques. Et je vais essayer de développer la taille de ce titre. Donc, il y a dans le format, je vais facilement développer tout ce que vous voulez. Très bien, vous pouvez même ajouter une icône si vous voulez. Alors là, je vais changer ce. Là, je vais faire médiathèque, capture écran. De l'écran de mon projet. Okay, donc je vais enregistrer et je vais faire un autre test. Le formulaire, je vais le nommer FRN. Je vais parvenir à l'accueil pour cliquer sur le mode normal. Voilà, donc le projet aura cette interface. Alors, deuxième chose que je vais changer, c'est que on ne va pas utiliser ce bouton de navigation. On veut créer notre propre bouton. On va créer notre propre bouton ici. Alors pour faire cela, on va insérer, je vais revenir au mode création, je vais insérer ici les boutons de mon projet. Alors dans le menu création, vous allez chercher ici bouton. Alors je vais cliquer, je vais l'insérer par exemple ici. Je vais mettre le bouton suivant. Voilà, enregistrement suivant. Je veux que ce bouton-là puisse s'afficher sous forme de flèche. Non, vous pouvez taper le texte si vous voulez. Donc, le bouton aura cette allure. Alors, le texte que vous voyez là, commande 11, c'est le nom, c'est le ID, c'est l'identifiant de ce bouton, le nom qui va être utilisé si vous utilisez le code. Alors, vous pouvez bien sûr programmer ça, je vais vous montrer ça plus tard, comment utiliser le code de VBA. Donc VBA, c'est le langage utilisé ici sur Access. Alors je vais insérer le deuxième bouton pour faire l'inverse, pour revenir en arrière. Ça c'est pour passer au suivant, ça c'est pour aller au précédent. Alors précédent, je vais chercher la... Là, je vous donne à choisir les images pour le temps. Alors, il y en a une sphère. Voilà, ok. Alors, j'ai inséré les deux boutons qui sont là, donc le bouton suivant et le bouton précédent. Maintenant, je vais les tester. Remarquez, j'ai pas fait de code, aucun code ici. Donc, je reviens à mon mode normal. Alors, je vais cliquer. Voilà, il passe. Suivant, précédent. Et donc, je peux naviguer entre les différents objets. Alors maintenant, si on veut ajouter un nouveau. Donc, sur Access, il y a le bouton Nouvel enregistrement. Je vais créer mon propre bouton. Je vais faire le bouton nouveau et le bouton enregistrer de la même manière. Donc, je reviens en mode création. D'accord? Je vais insérer un autre bouton, c'est pas. Bon, je vais déplacer ces deux-là ici. Voilà. Donc, je vais mettre le bouton nouveau à enregistrer ici. Alors, j'insère le premier bouton. Alors, nouveau, en fait, c'est pas un déplacement, c'est une opération. Vous allez le trouver ici. Vous ajoutez un nouvel enregistrement, c'est celui-là.
Et donc, vous pouvez faire le bouton de crayon comme ça. Chercher d'autres images si vous voulez pour ajouter. Donc, vous pouvez utiliser seulement le texte. Alors, je vais cette fois utiliser le texte pour le bouton. Okay, donc, ajouter. D'accord. Et en bas, je vais faire le bouton enregistrer. Et donc, je vais montrer comment ajuster la taille, l'alignement automatiquement. J'ajoute l'autre bouton. Aussi, c'est opération sur enregistrement. Donc, c'est pour sauvegarder un enregistrement. Sauvegarder. Donc, voilà, donc je vais passer ça. Alors, si je veux qu'ils aillent la même largeur, soit je le fais manuellement comme ça, soit vous demandez à ce que Access puisse organiser la taille, voilà. Taille, espacement. Donc, si vous venez ici, donc je veux que la taille soit ajustée au plus grand, au plus large. Voilà, au plus large. Voilà, maintenant ils ont la même taille. Si vous voulez qu'ils aillent la même hauteur, vous pouvez chercher aussi au plus grand. Ça, ils auront la même taille. Même chose pour ces deux boutons. Par exemple, ils sont décalés comme ça, vous voyez. Donc, je veux qu'ils aillent les mêmes niveaux. Ils sont alignés vers le haut. Donc, je cherche pas la taille, je cherche aligné. Aligné vers le haut. Voilà. Pour la taille, plus large, plus grand, la même taille. Voilà. Alors, je vais tester ce bouton. Je reviens à l'accueil. Affichage normal. Donc, on a déjà fait ça. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Et là, je peux saisir un nouveau projet. Peut-être une application, question call avec un fichier. Durée de projet, c'est 90 jours. Ouais. Octave TV. Pour les captures, vous pouvez cliquer ici sur la pièce jointe, choisir une image. OK. Sauvegarde. Alors là, j'ai trois enregistrements. Je peux les voir. Et on peut bien sûr aller jusqu'à. Donc ça c'est le premier, je ne peux pas revenir. Et vous pouvez bien sûr aller jusqu'à imprimer, rechercher. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter ici. Bien sûr pour notre application. OK. Autre chose. Donc si vous voulez masquer ça, c'est-à-dire cette barre de commande, donc on ne veut pas la voir. Donc, on peut chercher à la masquer, toujours dans le mode création. Donc, vous avez la feuille de propriété. Donc, cette feuille-là va vous permettre d'avoir tous les détails, tous les paramètres de ce que vous voyez. D'accord? Alors, ça, c'est le formulaire, remarquez. Là où vous cliquez, par exemple, il va vous donner les propriétés de l'objet sur lequel vous avez cliqué. D'accord? Donc, vous pouvez modifier chaque objet de manière unique. Donc, si vous voulez changer quelque chose en rapport avec tout le foie, donc il faut cliquer dehors, comme ça. Si, par exemple, vous souhaitez changer l'arrière-plan de votre formulaire, il faut cliquer à l'intérieur du formulaire. Et, par exemple, l'arrière-plan, donc, vous pouvez choisir une couleur pour l'arrière-plan. Donc,
Et parce que c'est déjà la même couleur. Une couleur qui va nous permettre de lire. Donc on peut sélectionner par exemple plusieurs textes et appliquer le changement. Par exemple ici, c'est la couleur du police, de la police, la couleur texte. On peut par exemple choisir une couleur foncée avec une épaisseur. Épaisseur, c'est gras, c'est gras, c'est les gras. On peut faire très gras, comme ça. Alors, pareil pour les titres qui sont ici. Donc, je peux sélectionner plusieurs, par exemple, ces deux textes-là et ce texte ici. Donc, on peut changer la couleur du texte. C'est-à-dire une couleur foncée, grasse, épaisseur. Ah, très bien, voilà. Alors. Pour ce qui est des commandes, des contrôles, donc on doit normalement chercher ici. Est-ce qu'il y a, par exemple, les boutons, la zone de contrôle. Vous voyez ici la zone de contrôle. Alors, si vous faites non, par exemple ici, le bouton de déplacement non, le sélecteur non, zone de contrôle, bouton fermé, je peux le garder. Alors, si je fais l'enregistrement avec les tests, normalement, ils doivent disparaître. Vous voyez, on ne voit plus ces boutons-là. Et même la fenêtre d'accès, je vais vous montrer plus tard comment la masquer. Si vous cliquez deux fois ici, donc, momentanément, donc on peut la masquer. Donc, on aura l'air, si vous faites quelques ajustements, par exemple, au niveau de l'emplacement, par exemple, je vais agrandir un peu le formulaire. Vous pouvez sur agrandir la taille de votre forme. Vous pouvez déplacer les objets quand vous voulez et donner l'apparence finale à votre application de cette manière-là. Vous voyez? Très très facile à faire. Vous pouvez créer des applications rapidement. Donc moi-même, donc j'ai fait plusieurs applications et vous pouvez les vendre, vous pouvez les installer sans problème. Il suffit juste de maîtriser ce que je viens de vous expliquer. Et vous aurez bien sûr un résultat qui est très très rapide. Voilà. Alors, je pense, j'espère que vous avez suivi, vous avez bien compris. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, donc on va continuer cette étude-là. Donc, on va ajouter d'autres contrôles. On va faire la recherche avec les requêtes. On va faire l'impression des documents. On va ajouter d'autres tables. On va créer le menu général. D'accord? Un menu général qui va nous permettre de basculer entre plusieurs formulaires de l'application. Par exemple, j'ai dit qu'on va ajouter les ressources du projet. On va ajouter les tâches. Par exemple, un projet informatique, il doit comporter plusieurs tâches. Donc, on va inscrire les tâches pour savoir l'avancement du projet. Alors, ce sera ça, normalement, l'objet de la séance prochaine, bien sûr. Essayez au moins, essayez de refaire ça. Et là, sur ça, je vous quitte. Je vous souhaite une journée. Bon Ramadan, Hacham. On se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et à la merci, monsieur. Au revoir.